C'est le sentiment là, c'est la frustration en fait, et la déception parce que voilà, on avait ça, le sentiment d'avoir fait le plus dur en fait en ouvrant le score, et en fait c'est surtout le but, leur premier but qui vient trop tôt en deuxième mi-temps qui nous fait mal, qui leur donne confiance, et après bah c'est plus compliqué, et ils poussent. On a quand même bien tenu, on s'est créé quelques situations, malheureusement voilà, ils ont réussi à mettre le deuxième alors qu'il reste 5 minutes, donc ouais c'est très frustrant hein, ce soir. Si on veut garder le positif, c'est que voilà, on est capable de rivaliser aussi avec ces équipes-là, et ça c'est très bien. Malheureusement, on a manqué de justesse et comment dire, d'efficacité en fait dans les deux surfaces. Et forcément, bah, sans le PKH hein, contre le tenant du titre, forcément c'est plus compliqué. Après voilà, c'est vrai que ce soir, il faut essayer de garder le positif. C'est-à-dire qu'on a fait un match intéressant quand même, on les a mis en difficulté, on les a embêtés. Mais à l'arrivée, malheureusement, c'est 0 points pour tous ces efforts faits, et donc c'est ça le plus frustrant. C'est des choses, des schémas qu'on travaille. Voilà, ça réussit ce soir, c'est très bien. On avait identifié aussi les faiblesses de Lille sur coup de pied arrêté, donc l'occasion s'est opposée à moi, et du coup, bah, j'ai frappé. Après, le ballon de Flo est super bien mis, tout le monde coupe au premier, donc c'était parfait dans la réalisation. Et après, voilà, comme j'ai dit, malheureusement, on n'a pas su garder le score.